Quand on dessine Luca, eh bien, on commence par un petit rond comme ça, tout simple. Moi, je construis toujours, j'aime toujours construire mes dessins avant de vraiment rentrer dans le détail. Donc d'abord, je fais la forme du visage, vraiment basiquement comme ça. Je place rapidement là où vont être le nez et les yeux de Luca. Donc là, ils vont être placés ici. C'est vraiment que des formes géométriques assez simples. Sauf celle-ci avec la joue, c'est un peu patatoïdal, mais je place l'emplacement des oreilles. Et là, du coup, j'ai mon emplacement à peu près de tous mes éléments du visage. Un petit sourire, parce que Luca, on aime bien quand il sourit. Et après, je rentre un peu plus dans le détail. Je lui fais son premier œil, son deuxième œil. Mais en fait, déjà, presque tout est en place. Hein. Après, c'est assez rapide de finaliser le personnage. Son gros nez, mignon, hein, mais gros. Hop, son oreille. Ensuite, je lui fais ses cheveux. Voilà, une forme assez simple ici. Et puis là, il a sa houppette qui part bien du milieu de la tête. Voilà. Là, je continue sur la deuxième oreille. Je renforce un peu les traits ici. Là, je lui fais partir son cou et toujours le petit col de polo caractéristique de Luca. Ici. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Petite signature. C'est bon.